classe musicale là. Faire un matériel, faire un génération. Il y a quand même le confier et puis la rentrée la poussière. Voilà, c'est nickel là. Il a quand même montré ça. Tata Junior. Avant qu'il commence, vous voulez générer. Ouais. D'accord, mais il faut que tu aies un truc là. Là, c'est générer là. Rapidement. Monsieur, oui. Ah, le parrain de Boubou. D'accord. Je parie que le petit. Avant de commencer, je vais me présenter. C'est simple dans la vie. On parle de la culture. Quand on dit à Saint-Fo, à un concert, on parle de la culture. Comme artiste invité. Il y a Bongolova, à Tutokata, Espoir 2000, Arafat et bien d'autres. C'est moi, bien d'autres. Bien d'autres, c'est moi. Et vous savez qu'on dit bien d'autres dans toute la cérémonie, mariage. Bien d'autre. Anniversaire, bien d'autre. Dimanche, bien d'autre. Bien d'autre. Bien d'autre. En tout cas, vraiment, merci pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Mais vraiment, la maison m'a donné une information de taille, une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont là, ici présents. Vous êtes venus ici, vous asseoir, vous avez pu penser, votre argent est fini avant le patron n'est plus de transport. On a pensé à tout ça. Il y a une voiture qui est disponible pour déposer tout un chacun à la maison, à policier un peu pour la maison. Mais facilement pour décoller la voiture, c'est immatriculé aussi la voiture, CCTO. Si tu veux monter, ça dépend de la destination. Ah, c'est ça. Mais vous savez, dans la vie, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut démarrer. C'est simple. Parce que tu as porté un bêtis, tu vas au plateau, tu te joues dangereux. Tu ne connais pas, il faut demander. Le gars, il prend sa baie, son sac. Il se lève le matin, à 6h du matin, il va au plateau. 6h, 8h, 9h, 10h, il est à 23h, il n'est pas encore arrivé au plateau, il est acclamé. À 23h, vous savez, à tout moment, il y a les gérants de cabine. Donc ça se voit, mon petit, on passe où, pardon, au plateau. Il dit, bon, je vais. C'est bien arrivé au Ghana. Hein. Tu connais pas quelque chose, fait demander, tu te joues les dangereux. C'est simple. Mais vous savez, en tant que Camerounais, je suis arrivé en Côte d'Ivoire 6 ans. Mais arrivé à Abuja, voilà un peuple qui m'a marqué. Un peuple qui m'a marqué. Djoula. Est-ce que les sont là? Djoula, hein? Vous êtes partout en direct Facebook. Djoula. Djoula est partout en direct Facebook. Salut en Chine. Djoula Bourou. Même en Israël. Djoula Bourou. Partout, Djoula est là-bas. Ah. Mais c'est Djoula. Et vous savez, Djoula, ce qui me plaît chez eux, tu arrives sur Djoula à 4h du matin, tu peux manger. Mais tu vas sur Djoula à 3h du matin, on peut te donner, on peut te loger. Tu arrives sur un vieux Djoula, ils sont 32 enfants. Tu penses c'est le vieux, c'est pas lui seul. Tu as les enfants, les amis, les cousins, les neveux, tout le monde est vieux. Mais c'est Djoula. Quand on dit enfant, perdu à Abidjan, c'est Djoula. C'est trompé le numéro, c'est Djoula. Mais à dernière fois, Awa Sakara, une figurée qui appelle, elle s'appelle Aïcha, elle va à la cabine. Allô? Il
se ba ibe. Nga kupu. Era pela ko alo. Se ibe, ali se ba ibe. Vai por o telefone, alô, você aqui mesmo? Ele se abriu, gudu, diga, abola lá. Tentam de gira, se abriu, gudu, né? Tentam de... A polícia, se abriu, gudu, se abriu, gudu, mas, je vais vous donner un conseil, mes amis, si vous allez à l'église, on ne sait jamais. Quand le pasteur va prier pour les offrandes, surtout les pasteurs qui portent baisse, méfiez-vous. Voilà un pasteur qui porte baisse. Seigneur, bénis les mecs qui ont donné. Bénis mais les mecs qui n'ont pas donné. Avant de dire amen, frère, coupé, pasteur, parle pas. 5 minutes, aucune. Il y a un fidèle qui a ouvert un réel, le pasteur en action, il prend un pied, dans baisse. Deuxième pied, baisse. Troisième pied, avant d'arriver, le fidèle, il voit le pasteur le voit dans les deux, se sont regardés. Le pasteur a changé la prière. Il dit, celui qui voit, et qui gagne le secret, quand sa parole sera donnée après, amen. Non, si nous, non, quand vous donnez le conseil, pardonnez, prenez conscience. Mais c'est pas. Mais à l'autoroute avant-hier, il y a eu un cas qui a tombé en panne. Et il y a un petit village qui est à côté, ils sont hospitaliers. Donc ils ont hébergé tous les passagers. Et ils ont hébergé deux personnes. Un guéri, bien gagné. Ils sont dans la même maison. Ils se sont regardés comme ça jusqu'à matin. On demande lui pourquoi il dit, eh, si Guéré dort, Gagné va voler. Si Gagné dort, Guéré va manger. Donc ils sont regardés comme ça. Ils ont joué les deux. Ils ont joué ce que les boys. Ils ont joué. Oh, c'est pas facile. Oui? Souvent, vous savez, par moment, quand tu veux imiter quelqu'un, faut peser le pour et le contre. Moi, j'ai toujours apprécié le milieu de son Moussa. Vous savez, il parle le nœud papillon. Je ne connais pas quel problème qu'il y a dedans. Aujourd'hui, depuis 14 ans, je suis sapé, vous me voyez. Pour vous, je suis sapé. C'est la souffrance qu'il y a dedans. Mon cou est serré, on vient vous dire. On ne sait pas. On le voit, il peut le papillon parce qu'il est sapé. Il souffre. C'est vrai, quand vous le voyez parler, il dit, oh, son cou est serré. On pense qu'il est choquant. Attends, il souffre. Appelez-le un peu enfin des gens, ça va passer. Ouais. Ouais, c'est bien. Le transpiration, franchement. Mais, non, méfions-nous, c'est vrai. Mais quand on parle de guérir, Yakuba, tout. Mais guérir, on a demandé à un guérir de prononcer Seigneur, il dit si. Prononcer Seigneur simplement, il dit si. Mais c'est bon. Femme Baoulé. Et vous savez, Baoulé, c'est le pays de la Côte d'Ivoire. C'est pour le carré Sylvestre. Oui? Mais Baoulé à l'église. Baoulé à l'église. Baoulé propose toujours les chansons en français. La chanson. Il est là. Mais c'est Baoulé. Et l'on transforme d'ailleurs, c'est un Baoulé. Jésus, Jésus, mais c'est ça, il faut la traduction maintenant. Ah, voilà un professionnel quoi qui a signé. Vous connaissez ça là, vous le connaissez, ce monsieur, c'est un talent de joueur. Balou Libéry. Voilà, Balou Libéry. Eh, merci. C'est un exemple à suivre, suivez son regard. Il louche. Ah, merci pour les 250. Il louche. En tout cas, vraiment, ça met la paix à Bobo. J'étais à un mariage, ce jour-là, ils ont tellement travaillé sur moi, mon manager dit, ah, quelqu'un, on a rempli un sac de 50 kilos. Et c'est à Bobo. Rapidement, on prend un compteur et puis on vient à Yopougon. Donc, pendant la conversation, on est à l'autoroute. Quelqu'un, on va compter un peu l'argent, comment ça fait? On pense en fait 7500. Tous les 500, c'est à Bobo. Vous savez. C'est à Bobo. On se met. Mais payez à la psychologie. Vous savez, payez, ils ne sont jamais pressés. Il habite dans une cour commune. Une douche, un WC. Jamais pressé, il prend son seau. Lentement et sûrement, il va se laver. C'est pédé. Il s'en va. Il s'en va. Avant d'arriver, on ne sait pas par quel moment la semaine s'est tombée. En tant que bon garçon, tu vas te laver. C'est une cour commune, les gens te voient. Ta semaine est tombée. Tu fais comment? Le premier jour, il dit, oui, Seigneur, c'est là qu'il y a son avenir. Parce que là, quand il dit, c'est là qu'il y a son avenir. Quand on parle, on dit, on met. Mais
français, tout le monde. Matin de la bonjour, y'a rien. Tu es venu pour le spectacle hier. Tu l'as tout quand hier. Ah, Matin, tu es venu hier, tu as pas dit hier. Ah, on nous prend au sérieux. Quand tu ne comprends pas l'anglais, c'est pas facile. C'est ça. Mais, conseil à mes mamans, tu ne connais pas la fille de Mère pour préparer pour vous à la maison. Tu vas pas une fille pour préparer pour ton mari, pour tes enfants. Elle est jolie que toi. Elle est en forme que toi. Que toi. Il t'attend à quoi? C'est ça? Et vous savez, 4h du matin, ça se met à cause de mener dans le foyer. 4h du matin, maman, je ne peux pas avoir aucune voyance. Au salon non plus. La chambre des enfants, elle ne voit pas. Quand je dirige la chambre de la servante, le monsieur a été rampé, il est en genoux. Un à un. Il s'en va. Allez, hey, Mathieu, tu fais quoi ici? Il dit, bah, je suis venu effrayer la servante. Elle dit quoi? Il dit, je suis venu effrayer la servante. Elle dit, mon frère, frère, puis un bâti. Il a arrêté comme ça. Hey, t'as fini, oui, il dit, lève-toi, Mathieu. Ça doit quoi te prendre pour moi, c'est pas bon, hein? C'est pas facile. Quand un artiste a été pressé, le premier salaire de l'artiste, c'est l'applaudissement. Applaudissez un peu pour l'artiste, c'est pas facile. En tout cas, vraiment, merci. Merci de m'avoir fait honneur de votre présence. Vous savez, en toutes circonstances, nous on parle. Il faut prévenir. Mais je vais donner un conseil à mes soeurs ici. Faut qu'on vous parle. Comprenez. La femme d'Abidjan, quand vous parle, comprenez. Dieu vous a créé élégante. Voilà. En bon conseil, tu appelles bien. Ça, c'est un code de l'époque. C'est ça. Donc, par moment, quand on parle, on dit au moment. Femme, quand vous parlez, comprenez. Didier. Didier. Ah, Didier, c'est un baoulé. On est Didier pour eux. Bourreau. Quand il marche, ça marche. Ah, Alagi. Alagi, Aoussa. Alagi, Aoussa. Il a aussi venu nous soutenir, c'est important. Et Aoussa qui porte veston. Ah là là, vraiment, c'est Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas passé. Voilà, tu es là, au quartier correct. Tu sais pas lire, tu sais pas écrire. On t'invite. Tiens, tu peux faire. Facilement, au courant, quand on t'invite, lis pas qu'on fout. Poisson brasé. Dieu merci, la gueule vous protège aux deux plateaux. Et là-bas, vous savez, plateau, c'est le menu. Tu lis et puis tu choisis. Donc les gars, ils sont au restaurant. Le gars prend le menu et puis les gars. Donnez-moi l'escargot et Jean-Michel Bandé. Le gars prend le menu. Donnez-moi l'escargot et Jean-Michel Bandé. La fille, c'est pas qu'elle assise. On dit, madame, s'il vous plaît, vous prenez quoi? Elle prend le menu derrière. Madame de Maya bien sur vous. La famille là. Allez-moi sur une gaffe. Enfin, Gamari. Où est la mise à main? C'est le nom du propriétaire du restaurant. Le propriétaire s'appelait. C'est un chinois. C'est pas facile. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. On va pas trop me donner la parole. Il y en a un frère qui est là. Sinon, le micro. Vous pouvez y aller en même temps?